Dans les cours précédents, nous avons étudié les préparations de traversée, en particulier la préparation des navigations en eau resserrée à l'arrivée ou au départ d'un port. Et nous allons maintenant démarrer un nouveau chapitre pour étudier la navigation dans le gros temps et la cause de ce gros temps, les cyclones. Donc on va d'abord donner quelques mots sur ces cyclones. Et pour ça, je vous invite à suivre le SH 95 sur la météo marine, où on trouve différentes descriptions de ces phénomènes. Et ensuite d'autres documents que je vous ai donnés en pièce jointe d'un courrier électronique. Après cette partie théorique et descriptive, nous ferons des exercices pour envisager comment changer notre trajectoire et passer au large d'un cyclone pour éviter des vents supérieurs à une limite, par exemple 40 nœuds, un choix fixé par le commandant. Donc dans l'extrait du SH 95, on va commencer par la page 68 qui donne quelques nomenclatures sur les cyclones, les différences avec les typhons, les ouragans. En fait, il n'y a pas de différence si ce n'est la zone géographique où on utilise ces mots-là. Et les différents degrés en termes de vitesse du vent qui conduisent au cyclone. Quand on reste sur l'échelle de Beaufort, on parle de perturbation tropicale, parce que là, c'est des phénomènes qui vont se passer uniquement entre les tropiques, ces cyclones. Et lorsque le vent devient plus fort, on parle de tempête ou de cyclone. Alors la nuance entre perturbation et dépression, c'est la zone, l'étendue du phénomène. À partir de la tempête, on a dépassé 34 nœuds, ça va jusqu'à force 12, et le cyclone, c'est au-delà de force 12. Donc pour ça, on a inventé une deuxième échelle, l'échelle de Saffir-Simpson, que vous trouvez en haut de la page 69. Alors cette échelle de Simpson, elle est intéressante parce qu'elle fait une relation entre la pression, c'est vraiment le paramètre qu'on va mesurer, les vitesses du vent et les ondes de tempête en termes de dégâts. Une évaluation sur les dégâts qu'on pourra avoir, c'est très, très subjectif, mais notamment en bord de côte. Donc on va beaucoup parler de cette échelle de Simpson quand on fera les exercices. C'est celle qui nous servira à évaluer la vitesse du vent. Alors attention, la vitesse du vent qui est donnée là, c'est la vitesse maximum qu'on va mesurer au bord de l'œil du cyclone. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du bord de l'œil, la vitesse du vent décroît. Donc là, c'est la vitesse maximum. Alors attention, cette vitesse est donnée en nœuds ici. Selon le document, on trouvera parfois des kilomètres-heure. Pareil pour la distance, tantôt on jonglera avec des milles sur les documents marins, puis des kilomètres sur les documents issus de la presse classique. Donc page 69, quelques détails pour décrire les conditions dans lesquelles le cyclone peut apparaître. C'est des conditions qu'on rencontre quasiment tout le temps dans les zones tropicales, tout le temps en tout cas pendant l'automne pour l'hémisphère nord par exemple. Donc ces conditions, c'est une température de l'eau supérieure à 26 degrés sur une profondeur de 60 mètres ou plus. C'est en fait vraiment le réservoir d'énergie, la chaleur de l'eau qui va être communiquée à ce phénomène atmosphérique et lui fournir son énergie. Une latitude supérieure à 5 degrés, parce que pour démarrer le tourbillon, on a besoin de la force de Coriolis. Donc à proximité de l'équateur, on ne trouvera jamais de cyclones. Ils perdent en force, ils deviennent des tempêtes et des pressions. Et enfin, de l'humidité, une humidité très forte, surtout en haute altitude. Il y a un air instable. Instable, c'est parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a des différences de température, de direction de vent entre la basse et la haute altitude. Donc sur la page 70, on trouve des cartes qui décrivent un petit peu les zones et les trajectoires où sont formés principalement ces cyclones. Donc c'est des résultats statistiques, on trouve toujours des cyclones enregistrés en dehors de ces zones-là, mais c'est là que se trouve la majeure partie des foyers de cyclones. Et enfin, un tableau ou description à travers du texte sur des statistiques sur la page 71 en fonction des différents océans et les trajectoires, les vitesses des cyclones. Page 72, on va rentrer un peu plus dans la description du phénomène lui-même. Donc le cyclone vu de profil, c'est un système nuageux avec un œil au centre où il n'y a pas de nuages du tout et tout autour des nuages et en altitude des cirrus, des cumulonimbus. Au ras de l'eau, on observe des grandes, comme des hélices. Alors, c'est des structures qui sont gigantesques, parce qu'elles font plusieurs centaines de milles. Donc, sur le radar, on n'aura jamais l'opportunité d'observer tout ce phénomène. On le voit sur des images météo,
mais pas sur un radar. Sur un radar, éventuellement, on verra une barre qui occulte une partie de l'écran du radar, mais ce serait difficile d'identifier l'œil d'un cyclone à moins vraiment d'être à proximité. Donc l'œil lui-même peut faire de quelques nautiques, quelques milles nautiques à 80 000. En général, quand il est grand, la force du cyclone diminue et il se dégrade en dépression, tempête, etc. La pression au centre est la plus faible. Les plus basses pressions enregistrées sont aux alentours de 870 hectopascales. Le vent dans l'œil est nul. Il fait beau, si tant est qu'on ait survécu au premier passage du cyclone. Après, il y a la deuxième partie, au fur et à mesure qu'il avance sur notre position. En revanche, au niveau de ce qu'on appelle le mur du cyclone, le bord de l'œil, là, il y a des pluies torrentielles, des vents très violents, et la pression petit à petit augmente vers l'extérieur. Alors, les schémas qui sont donnés ici sont valables pour des cyclones observés dans l'hémisphère nord. Donc, il faudra changer le sens de rotation dans l'hémisphère sud. En termes de dimension, en bas de la page 72, il y a un schéma qui nous montre l'étendue hors de l'œil, 30 à 50 km, ou la moitié en mille. Mais surtout, le système nuageux, il peut s'étendre jusqu'à 200 à 300 000 de diamètre. Donc on peut le subir, même si on est loin de l'œil du cyclone. On peut subir déjà des vents, des vagues. On va détailler ces phénomènes. L'œil lui-même se déplace rarement à plus de 20 nœuds. Une vitesse courante, c'est aux alentours de 10 nœuds. Quelques mots sur les vitesses de vent. On va voir après un schéma qui résume tout ça. À partir du centre et jusqu'au bord de l'œil, il n'y en a pas de vent. Aux alentours de 35 000, si l'œil n'est pas plus large, 35 000 depuis le centre, là on parle en rayon, les vents de force 12, et ça diminue, force 11 à 50 000, force 7 à 6, entre 200 et 300 000 du centre du cyclone. Page 73, donc quelques détails pour décrire les précipitations. Donc pas de précipitation dans l'œil, torrentiel au niveau de l'œil, le mur du cyclone. Et ensuite, des systèmes nuageux ou de la pluie qu'on pourrait sentir jusqu'à 100 à 150 000 nautiques du centre du cyclone. Alors, ces systèmes vont créer des vents tourbillonnaires très violents, d'autant plus violents qu'on est proche du bord de l'œil. Et ces vents vont engendrer des vagues, et un peu plus loin, au fur et à mesure que les vagues s'accumulent les unes aux autres, de la houle. Et ça va déterminer, sur un schéma en bas de la page 73, on voit bien un côté du cyclone qui va avoir des vagues beaucoup plus hautes parce que le vent est à peu près parallèle à la trajectoire du cyclone. Donc la houle va se propager en même temps que le cyclone la suit et continue à lui transférer son énergie. Donc de ce côté-là, à droite pour l'hémisphère nord, à droite quand on regarde dans la trajectoire du cyclone, c'est ce qu'on appelle le demi-cercle dangereux. Les vents sont un peu plus forts puisqu'ils accumulent la vitesse du vent plus la vitesse de déplacement du cyclone. Et les vagues continuent d'être stimulées par le vent. Alors que de l'autre côté, à gauche, le déplacement du cyclone crée un vent absolu qui est plus faible, parce qu'on a la vitesse du vent moins la vitesse de déplacement du cyclone. Et dans le même esprit, les vagues qui se propagent s'éloignent du cyclone et assez rapidement sortent dans la zone où elles sont générées. Donc elles sont beaucoup plus faibles et on parle de demi-cercle maniable. Un paragraphe en haut de la page 73 sur les surcotes. À cause d'une part de la dépression au centre de l'œil et dans le système cyclonique en général, mais aussi à cause du vent tourbillonnaire, on observe des surcotes qui peuvent dépasser plusieurs mètres. Donc sur l'échelle de Saffir-Simpson, dans la classe de cyclones la plus violente, la catégorie 5, on estime que les surcotes peuvent dépasser 5,7 mètres. Donc il faut imaginer que ce système nuageux est gigantesque, il est déployé sur plusieurs centaines de milles, mais lorsque l'œil, là où il y a la plus grande surcote, approche d'une île, une côte basse, un atoll, il peut submerger complètement cette île. Donc ça donne les images que vous avez peut-être rencontrées, les images sensationnelles que les journalistes nous montrent, de bateaux qui étaient à l'ancre ou dans les ports, et après le passage d'un cyclone qui se retrouve quelques kilomètres plus loin dans les terres. Page 74,
Quelques mots sur les prévisions, donc à partir d'images météo et d'analyse de ces images. On peut faire des prévisions à court terme, hein, au-delà de 24 heures, ça devient des probabilités, 24 à 36 heures. Mais on donne en général des prévisions à 24, 48 et 72 heures sur la force et la trajectoire du cyclone. Donc je vous invite à lire en détail ces informations. Et page 76, vous avez les manœuvres suggérées pour éviter un cyclone ou rester dans la partie la moins violente. Alors si on est déjà dans le demi-cercle dangereux, comment le quitter au plus vite? Et si on est dans le demi-cercle maniable, des trajectoires adaptées avec une trajectoire qui s'éloigne de celle du cyclone. Alors, on va passer rapidement dessus parce que c'est des manœuvres sur lesquelles on va revenir à travers des exercices pour illustrer tous ces schémas. Donc, retenez dans les médias que quand on va se trouver dans le cyclone, on va parler du cas de l'hémisphère nord. L'important, c'est de déterminer d'abord où est l'œil du cyclone. Donc, imaginons que votre navire est face au vent. L'œil du cyclone, pour l'hémisphère nord, se trouvera dans le gisement tribord 110 à 120. Ça, c'est quand on est face au vent. Ensuite, il faut se demander dans quel demi-cercle on est. Si on est dans le demi-cercle dangereux ou maniable, ce n'est pas du tout les mêmes trajectoires. Donc, en même temps que vous écoutez cette vidéo, vous pouvez regarder la page 76, où vous avez des schémas qui expliquent pour l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud les trajectoires. Donc, quand vous êtes dans le demi-cercle dangereux, imaginez que vous êtes à une position fixe sur le dessin et que tout le système du cyclone, les cercles concentriques qui sont dessinés sur la page 76, avancent en suivant la trajectoire. Si vous êtes dans le demi-cercle dangereux, vous allez voir la direction du vent, son relèvement, qui diminue. Alors que si on est dans le demi-cercle maniable, le relèvement du vent, au fur et à mesure que le cyclone passe sur notre position, le relèvement du vent va augmenter. Donc c'est un critère simple pour déterminer si on est dans le demi-cercle maniable ou dangereux. Alors pour déterminer ça, ça suppose de parler en vent réel. Donc si votre navire se déplace en même temps que vous faites ces comparaisons, sur une période de 2-3 heures, il faut bien faire attention de corriger le vecteur route fond et vitesse fond de notre navire pour faire cette constatation sur un vent réel. Ensuite, on va se demander à quelle distance on est de l'œil du cyclone. Donc ça, c'est avec la vitesse du vent qu'on va l'évaluer à l'aide d'un schéma qui nous donne à différentes distances des ordres de grandeur de la vitesse. Et enfin, quelle route adopter? Ça, on le voit sur les schémas. Pour résumer, quand on est dans le demi-cercle dangereux, il faut manœuvrer de manière à avoir le vent qui vient dans le tribord 150, donc sur l'arrière tribord. Alors que si on est dans le demi-cercle maniable, on va s'éloigner du cyclone en gardant le vent qui vient depuis la direction gisement tribord 30. Il faudra inverser pour l'hémisphère sud, bâbord, etc. Quelques mots sur une règle appelée 1-2-3, qui est suggérée par les gardes-côtes américains, qui consiste à ajouter à chaque jour de prévision une marge d'erreur de 100 000. Donc imaginons qu'on connaisse la position aujourd'hui du cyclone dans un bulletin météo et qu'on vous donne des positions estimées dans une, deux ou trois journées. Il faut ajouter sur ces positions une erreur de 100 000 pour 24 heures, 200 000 pour 48 heures et 300 000 pour le troisième jour. De cette manière, ça fait un cône aux alentours de part et d'autre de la trajectoire du cyclone qui prend en compte les probabilités décroissantes d'avoir des prévisions correctes. Alors, un exemple de prévision avec le système qui est mis en place par les États-Unis dans l'hémisphère nord. On peut obtenir des cartes avec les trajectoires du cyclone et pour chaque position, on a son heure et la force du cyclone qui est donné dans un message sous forme de texte. Dans le même texte, on va trouver des CPA par rapport aux différentes îles, aux différents ports. Et on voit les marges d'erreur là qui sont estimées autour de ces trajectoires de cyclone. Alors on utilisera cette règle 1, 2, 3 pour faire l'exercice plus tard. Le document suivant, où je vous ai donné un extrait, c'est le guide du navigateur, le volume 1, qui évoque les messages obligatoires lorsqu'on rencontre des vents supérieurs à force 10,
des vents qui n'ont pas été prévus dans les bulletins météo. Donc vous avez quelques mots sur cette obligation et un exemple de message à envoyer. Un autre extrait tiré du deuxième volume du guide du navigateur. Pour donner une photo satellite d'un cyclone et une page qui donne quelques informations sur la trombe marine. Donc la trombe marine, ça ressemble un peu à un cyclone, mais c'est un phénomène beaucoup plus petit qui peut se produire bien au-delà des latitudes classiques des cyclones ou les latitudes tropicales et qui est très réduit en termes de dimension. Ce qu'on pourrait appeler son œil, le diamètre du tourbillon fait 10 à 200 mètres. La durée, c'est 2 à 20 minutes environ. Et il peut se déplacer dans une trajectoire qui n'est pas du tout celle de la direction du vent. Alors, à proximité immédiate, le vent est très violent, mais ce phénomène étant de courte durée, il n'a pas le temps de lever une houle. On verra simplement la mer agitée, et puis un peu comme un nuage au ras de l'eau qu'on appelle le buisson. Un autre extrait du même guide du navigateur, toujours le volume 2, pour... Donner quelques mots, dire quelques mots du routage météorologique. Donc c'est des mots qui sont de plus en plus à la mode, qui consistent simplement à décrire qu'on va tenir compte des conditions météo pour éventuellement adapter la route du navire et éviter des dégâts sur le navire, sur sa cargaison, sur les passagers, ou d'avoir des difficultés à manœuvrer, par exemple à proximité de la côte. Donc ce routage météo, aujourd'hui, il est aidé d'outils de prédiction, mais aussi de logiciels qui sont capables d'optimiser des conditions météo. Alors c'est très connu pour les courses à la voile, mais c'est le cas aussi pour des navires en prenant en compte leurs contraintes, par exemple s'il y a des angles par rapport au vent où ils vont avoir des roulis de plus en plus forts, éventuellement des phénomènes de résonance qui vont affaiblir la résistance mécanique de la coque. Donc ces logiciels permettent d'aider à la décision, et parfois la question est de savoir est-ce qu'on fait tourner ces logiciels qui nécessite parfois beaucoup de ressources de calcul à terre, et puis on envoie l'information, la décision quasiment, au navire, ou bien est-ce qu'au contraire, on équipe le navire pour que le commandant ait le maximum de moyens. Donc ça pose des questions des moyens de transmission qu'on met derrière, et puis après, la responsabilité du commandant. Donc in fine, ce que vous trouvez à la page 226, hein, le paragraphe 18, 3.2.5, le capitaine reste toujours responsable maître du choix final de la route, et non pas préciser, mais faut garder aussi à l'esprit qu'il reste aussi responsable de tout ce qui arrive, même si c'est des dégâts ou du retard dans ces conditions-là. Alors vous avez dans le courrier électronique le lien vers une première vidéo où on voit des navires marchands qui ont traversé des ouragans ou des tempêtes, et les dégâts que ça peut causer, et notamment sur des navires à passagers, la difficulté supplémentaire de gérer les passagers. Alors c'est une vidéo qui n'a aucun intérêt sur la première minute ou après les 8 minutes et 24 secondes, mais au milieu vous avez quelques informations sur des navires à passagers. Enfin, le dernier extrait, c'est le guide du navigateur, toujours le deuxième volume, qui donne des conseils pour manœuvrer dans le gros temps. Alors page 227, première page de l'extrait, on suggère quelques manœuvres qu'on appelle la cape. Alors la cape consiste à utiliser sa propulsion pour maintenir un cap, une roue de fond, qui fait un angle avec le vent d'à peu près 40 à 60 degrés. Donc là, ça dépendra du navire. Alors pour comprendre cette route, c'est un compromis entre une position d'équilibre où le navire n'aurait pas de propulsion, qui serait travers au vent, à peu près travers au vent. Alors à peu près, parce que ça dépend de la forme de la coque, du fardage du navire, si on a le château plutôt à l'avant ou à l'arrière, des grues, etc. Mais globalement, c'est à peu près travers. Donc si le bateau n'a pas de propulsion, il va se mettre naturellement travers. Alors c'est une position d'équilibre en termes de cap, mais c'est une position qui est très inconfortable, parce que c'est là où le bateau roule énormément. Donc, lorsque le bateau a une très longue quille, comme les voiliers monocoques ou un mât et puis une petite voile, ça lui permet avec le vent de se redresser, de s'appuyer sur la toile. Mais dans le cas d'un navire de charge, en général, il va rouler terriblement. Alors on peut limiter un peu ce roulis en ballastant au maximum, en augmentant la stabilité, mais il reste une position très inconfortable. Donc il est indispensable de conserver des moyens de propulsion. Donc si le navire est en mesure d'avancer,
L'idée de trouver un compromis pour ne pas avoir de trop grands mouvements de coque, de roulis ou de tangage. Et s'il y a des dangers nautiques à proximité, de pouvoir les éviter aussi. Donc une position qui est souvent suggérée, celle de la cape, consiste à ne pas se mettre face à la lame qui nous ferait tanguer et puis passer sous les vagues, et pas non plus travers aux lames, donc à peu près à mi-chemin, 40 à 60 degrés par rapport au vent. Alors on parle de cape sèche pour les navires qui n'ont pas de voile du tout. Donc, naturellement, on se met à peu près travers au vent et qui vont être équilibrés par leur quille, si tant est que les déferlantes qui passent avec la tempête n'aient pas une dimension plus grande que la quille. À ce moment-là, ça risque de faire un tour complet, de chavirer. Donc, c'est une première manière de naviguer pour limiter les dégâts dans la tempête. Une autre possibilité suggérée, c'est ce qu'on appelle les allures de fuite. En se mettant vent arrière ou pareil à 20-30 degrés du lit du vent. Là, la difficulté, c'est que le bateau, quand il va se mettre dos aux vagues, va se retrouver à surfer les vagues et on va avoir parfois le bateau qui se retrouve, en quelque sorte, posé par son centre. Donc, à l'arrière du navire, l'hélice va se retrouver parfois hors de l'eau ou sur des couches supérieures de l'eau qui sont beaucoup moins efficaces, parce qu'il y a moins de pression, voire de l'écume. Et l'avant du navire va se retrouver aussi hors de l'eau. Donc l'hélice à ce moment-là ne fera quasiment pas avancer le navire, elle va partir en survitesse. Le safran qui est juste derrière sera aussi hors de l'eau ou très peu efficace, donc on ne manœuvre plus du tout notre navire. Et si le bateau se met en travers de la lame, naturellement il va partir en tournant, se mettre travers au vent et rouler énormément. Donc c'est une possibilité de partir en allure de fuite, mais il faut être sûr de pouvoir tenir le cap. Alors dans le guide du navigateur, on vous suggère d'aller le plus vite possible, et quelle que soit la vitesse, on va se retrouver tôt ou tard dans cette situation portée par le milieu de la vague, et si on va très vite, la manœuvre sera d'autant plus violente. C'est aussi une position qui peut être délicate, parce que sur des navires très longs, on peut avoir des contraintes mécaniques très fortes quand le bateau est porté par le milieu et pas par les extrémités. Donc à décider en fonction du navire et de la situation. Alors il suggérait aussi, quand on se met en allure de fuite, d'utiliser une ancre flottante. Alors ce sera pour justement ralentir le navire et éviter ce genre de manœuvre impossible à maîtriser, de changement de cap brutal lorsque le navire est sur le haut d'une lame. Donc cette ancre flottante, elle peut être remorquée derrière pour freiner lorsque le bateau part en surf, ou une autre méthode, c'est d'utiliser une ancre flottante qui va être tenue par l'avant du navire, parce que la forme de l'étrave est beaucoup plus adaptée pour encaisser les vagues, et du coup on se sert de l'ancre flottante comme d'une ancre, qui va ralentir en fait notre dérive et nous maintient face au vent, face aux vagues. Donc là, on ne maîtrise plus la route, on se retrouve à culer lentement en étant face aux vagues. Page 228. Une autre technique suggérée consiste à filer de l'huile. Alors, c'est des choses qui ont été envisagées ou faites avec des petits navires, mais ça reste impossible à mettre en œuvre avec un gros navire, parce qu'il faudrait des quantités d'huile gigantesques. Je vais s'imaginer aussi comment mettre en œuvre cette huile, il va falloir sortir en quantité gigantesque du bord, il va falloir manœuvrer ou des manches ou des bidons, et ça va rendre le pont glissant, donc ça va générer encore d'autres problèmes d'accidents du personnel. Ensuite, cette huile, même si on arrivait à la mettre à l'eau, bah, rapidement elle va être brassée par les vagues, donc ça va rester quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes, et encaisser l'énergie des vagues, elles seront moins hautes. Mais rapidement, notre bateau va être poussé par le vent en dehors de la zone où se trouve l'huile. Donc c'est un moyen qui va peut-être nous donner un sursis de quelques minutes, mais qui pose beaucoup de problèmes. Au-delà de ça, d'un point de vue écologique, c'est plus tellement au goût du jour d'envoyer des hydrocarbures, même si c'est de l'huile naturelle, végétale ou autre, par-dessus bord. Ensuite, page 229 à 232, vous avez encore des descriptifs du cyclone. Donc on a déjà vu
mais que je vous encourage à regarder, qui sont un peu plus d'un aspect manœuvre que purement météo. Et page 233, dernière page de l'extrait, le cas du navire qui est au mouillage, parce qu'il n'a pas eu le temps de partir ou que ses machines ne sont pas manœuvrantes. Donc lorsqu'on est au mouillage, on va mettre plusieurs ancres pour essayer de limiter le rayon d'évitage. S'il y en a une qui chasse, ben, ça va la soulager parce que la deuxième prendra la traction. Et une fois qu'on a mouillé ces ancres, surtout pas l'une sur l'autre, mais écartées l'une de l'autre en affourchant, on va estimer le rayon d'évitage et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres navires qui risqueraient d'éviter à proximité de nous, ou que notre rayon d'évitage ne nous emmène pas sur les dangers. Durant le cyclone, ou dès le début du cyclone, on peut mettre toute la longueur de chaîne. Plus il y a de chaîne dans l'eau, et plus la chaîne, par son poids, va encaisser la force du vent. Alors pour finir, dans le courrier électronique, vous avez encore deux liens vers des vidéos. Alors, la vidéo de la frégate, c'est une vidéo qui a été faite pour un film, donc c'est pas pour le plaisir que le bateau s'est mis comme ça dans la tempête. Et pour ce film-là, il y a eu des prises de vue depuis un hélicoptère. Alors, dans les minutes, enfin la seconde 27 à la seconde 49, on voit le bateau justement la frégate, qui est à la cape, à peu près à 50 degrés des vagues. Et 1 minute 8 et 1 minute 18, on le voit carrément face à la vague. Alors, pour des raisons opérationnelles, on peut imaginer que le navire doive suivre cette route. Donc, il a été taillé pour le faire. Ce n'est pas les mêmes contraintes qu'un navire de commerce. Mais on voit assez rapidement que le navire est très sollicité. Et parfois, ça conduit à des formations des pavois, à faire des explosions de hublots. Donc, c'est rarement sans conséquence pour le navire. La difficulté, c'est que quand le navire tangue fortement, ben, l'hélice va passer son temps à osciller entre des survitesses et puis des ralentissements quand elle est profondément immergée. Donc quand elle est profondément immergée, ben, ça tire énormément sur le moteur et une température monte en quelques secondes. Donc on a tantôt des alarmes de survitesse, tantôt des alarmes de température sur les moteurs. Enfin, la vidéo 3, c'est la vidéo d'un navire à passagers qui a perdu ses machines pendant une tempête. C'était pas un cyclone, mais il était à proximité des côtes. Et celui-là, il a fini par se sauver en jetant l'ancre. Et lorsque un remorqueur a pu le prendre en remorque, il a été ramené dans un port pour l'évacuation des passagers. Mais c'est pour montrer que l'ancre peut sauver d'une situation compliquée, où même sans tempête, on dérive parce qu'on n'a plus de moyens de propulsion. Alors pour la suite, on va faire ensuite plusieurs exercices et s'entraîner avant de tester vos compétences pour envisager la route à suivre et passer au large d'un cyclone.